Yahoo et dimanche, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui je te retrouve non pas pour la présentation d'un manga mais d'un animé. Donc je vais te parler de l'œuvre Princesse Princesse qui est un animé qui est en 12 épisodes plus à une œuvre supplémentaire. Donc je te mettrai tous les détails ici parce que je ne l'ai pas regardé. L'œuvre a été à un moment disponible en France en manga mais elle n'est plus disponible. Donc l'œuvre existe en manga, en animé et en drama apparemment. Pareil, je n'ai pas regardé le drama. Donc nous sommes sur un animé qui date de printemps 2006 et qui est donc de 12 épisodes, ça j'ai déjà dit. Nous sommes dans le genre cross-dressing, école, comédie, drame. Et il y a marqué Shonen High, donc en fait c'est juste que dans un épisode, il y aura un bisou. Qui n'est même pas... Où il n'y a même pas de sentiment. Donc voilà, je tiens à le préciser, il y a un bisou, mais il n'y a aucun sentiment, c'est pour une histoire de... Mais voilà, toujours est-il qu'il n'y a aucun sentiment entre les personnages, et donc, comme pour les mangas, le résumé tout simplement dans la barre d'infos, et en ce qui concerne la qualité du graphisme, je vais te l'afficher à côté de moi au fur et à mesure, et je te laisse juger par toi-même, personnellement, j'adore. Et en ce qui concerne en fait l'histoire, alors en ce qui concerne l'anime, pardon... En ce qui concerne l'animé en soi, je t'avouerai que en fait c'est un revisionnage. Je l'ai déjà vu il y a pas mal d'années quand j'ai arrêté le collège. En fait, il fait partie des 60 premiers animés que j'ai regardés. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de nostalgie et eu envie de revoir cette œuvre en me disant peut-être qu'avec pas mal d'années de vécu par derrière, peut-être que je le verrai pas forcément de la même façon que voilà, un peu comme le manga Lui ou Rien que j'avais lu il y a très longtemps. Où j'avais adoré et pas mal d'années après finalement je l'avais bien aimé mais sans plus c'était ouais hop tu dégages même de ma mangathèque parce que je te veux plus donc voilà et honnêtement je n'ai pas été déçue, j'ai tout autant aimé la série qu'à l'époque mais en même temps on est sur un sujet principal que je surkiffe donc forcément ça pouvait que me plaire donc pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, qu'on a vu certaines ou d'un manga je crois que j'ai présenté cet été ou en septembre j'aime tout simplement toutes les histoires que ce soit manga, animé, etc où en fait un homme est obligé pour x ou y raison de s'habiller en femme ou l'inverse qu'une femme soit obligée pour x ou y raison dans l'histoire de prendre l'apparence masculine. C'est un truc que je fais énormément vu que vous me voyez toujours en fille et c'est absolument pas le cas. J'en suis pas du tout une, je suis un garçon. Mais c'est ça que j'aime et du coup je me sens bien dans ce genre d'œuvre parce que j'ai l'impression de me retrouver. De me dire, voilà, est-ce que si j'avais été par exemple un garçon dans une école de filles, qu'on m'ait demandé ça comme le jeune homme, parce qu'on lui demande du coup de s'habiller en femme. Est-ce que j'aurais bien vécu à cette époque-là? Est-ce que j'aurais été capable, par exemple, d'accepter en fait cette responsabilité? Et c'est vrai que c'est ce genre d'œuvre qui me fascine et qui m'intéresse beaucoup. Je trouve que l'histoire en soi, en étant détachée par rapport à ce détail-là, en prenant du recul du coup, je trouve que l'histoire est super intéressante, super bien développée. En 12 épisodes, c'est parfait. Certes, ils auraient pu continuer par exemple jusqu'à 22, 24, 26, mais je pense que l'histoire se serait essoufflée. Alors je sais que les épisodes bonus, dont je t'avais expliqué tout à l'heure, qu'il y avait des épisodes supplémentaires, sont des épisodes courts et donc c'est vraiment du bonus, du... Il me semble que c'est une espèce de cadeau en fait qu'a voulu faire l'auteur de rajouter des épisodes en plus et ça s'est pas fait normalement la même année. Je vais vérifier ça vu que je dois avoir la fiche. Si, ça date aussi de 2006, mais je crois que ça datait de fin 2006, donc c'est pour ça. Mais j'ai jamais regardé ces épisodes spéciaux, parce que je considérais que la série en 12 épisodes était terminée, qu'il n'y avait pas besoin de regarder plus. Donc voilà. Donc honnêtement, c'est un animé que je te conseille, surtout si tu aimes le fait que les hommes prennent l'apparence de femmes, ou que de femmes prennent l'apparence d'hommes, parce que c'est le point clé de la série, tu vois quasiment... Que ça. Certes aussi, par contre, c'est ce qu'on peut croire qu'en 12 épisodes ça soit bâclé, mais on va travailler quand même très bien le caractère des personnages principaux. Le caractère des personnages est travaillé, on nous montre qui ils sont, c'est pas que des garçons qui s'habillent en femmes, on va creuser de qui sont nos trois protagonistes. Et c'est ça qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment intéressé, c'est que ça aurait pu rester dans le futile et dans l'inutile des mecs qui sont obligés de s'habiller en femme pour combler le fait qu'ils soient dans une école d'hommes
et on va travailler sur le caractère des personnages. Ils vont essayer de résoudre les problèmes qu'ont les autres. Nos trois princesses vont essayer de résoudre leurs problèmes entre elles, entre du coup amies. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Honnêtement, je ne saurais pas trop t'expliquer. N'hésite surtout pas à me poser une question, parce que peut-être qu'en répondant à une question, j'arriverai mieux à développer le pourquoi j'ai aimé cette œuvre. Mais toujours est-il que c'est un gros coup de cœur. Ça a été un coup de cœur à l'époque où je l'ai regardé, et c'est toujours un coup de cœur à cette époque-là, maintenant en 2016. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura fait découvrir une œuvre que tu ne connaissais pas forcément, vu que l'œuvre date quand même d'il y a 10 ans. Mais comme pour les mangas, je ne présente pas que des nouveautés, je présente aussi des trucs qui datent d'il y a pas mal d'années. Et c'est pareil pour les animés, des fois je regarde des séries qui viennent tout juste de sortir, tout comme je peux regarder des animés que j'ai regardés il y a très longtemps, ou des animés qui sont sortis aussi il y a très longtemps. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aura quand même plu. Sur ce, je te retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Bye!